Ministre des Affaires étrangères. Monsieur le député, c'est vrai que le 20 janvier 2014, pour la Centrafrique et pour tous ceux, et ils sont ici présents, qui sont aux côtés des Centrafricains, c'est une triple bonne nouvelle dans un pays qui ne nous avait pas habitués à cela. D'abord, l'élection de Madame Catherine Samba-Panza, qui est une femme remarquable, et l'ayant au téléphone hier, je lui ai apporté par anticipation votre soutien. Je serai à ses côtés jeudi lorsqu'elle sera installée. Sa tâche est immense, mais elle doit savoir qu'elle peut compter sur le soutien de la France. En ce qui concerne l'aspect humanitaire, hier, effectivement, 40 pays présents à Bruxelles ont annoncé des engagements pour l'année 2014 à hauteur de 496 millions de dollars qui seront donc engagés cette année pour venir ô combien nécessaire au soutien de la population gravement touchée. Enfin, en matière sécuritaire, et c'est peut-être aussi cela qui a retenu l'attention, nous avons obtenu que l'Union européenne, à l'unanimité, décide le principe d'un soutien militaire aux Centrafricains et à l'action de la France et de l'ONU. Le chiffre de 500 militaires a été évoqué. Cela doit être fait dans les semaines qui viennent et essentiellement à Bangui et singulièrement autour de l'aéroport. On nous avait dit que nous étions seuls. Non, monsieur le député, nous étions les premiers et c'est à l'honneur de la France. Merci, monsieur le ministre.